Nous connaissons que par rapport avec l'instabilité que tu as eu dans l'année 2004, tu as eu un moratoire qui te prend pour tous les immigrants qui vivent au Canada qui peuvent co-régulariser le statut. Ils n'ont pas expulsé. Le moratoire, ça te permet que même si le Canada a été refusé la résidence permanente, mais il t'a aidé à rester sur le territoire canadien. Mais en 2014, le gouvernement Canada a montré que, selon le constat qui fait, pas vraiment de problème, pas vraiment de instabilité encore dans le pays, pas vraiment de crise, et que il a levé le moratoire. Ça a fait en pile situation. Environ 3500 Haïtiens en situation à risque d'envoi. Est-ce que nous comptons écrire ou bien nous déjà écrit le gouvernement canadien pour nous recommander de faire campé sous décision ça? En fait, nous pas écrit, mais nous juste voulons attirer pour le moment attention sur la situation immigrants haïtiens à vivre dans d'autres pays. Parce que c'est vrai que nous avons pile focus qui était fait sur la République dominicaine, mais dans d'autres pays, tout conditions sont pas bon et ça m'a demandé tout pour nous réfléchir plus par rapport à politique interne que n'a pas appliqué dans le pays. Nous. Parce que une cause à migration, c'est problème socio-économique. En plus de problèmes socio-économiques, nous pas joindre bagaille et problème de stabilité politique, crise, mais ça encore mandé pour nous réfléchir sous forme de politique, forme de choix que n'a fait yo qui pas gain incidence sur les citoyens nou yo, comment que yo pas chercher pour y plaguer quoi l'autre côté. Le gouvernement canadien menace vous haïtiens ça retourner, c'est parce que vous pensez que pays stable, c'est ça? Oui, c'est ça, on dit que bon, moratoire là t'est fait c'est dans le contexte 2004 côté nous connaît gain en pile problème crise politique, mais on dit puisque pas gain ça encore il le levé moratoire là, mais faut dit tout puisque face avec telle décision ça il y a plusieurs manifestations qui t'est faites, ça montrait que ça vient faire gouvernement canadien 10 décembre 2015 parce qu'il était tourné sur décision, mais l'autre précision pour nous porter c'est que il dit il maintenu moratoire là mais il pas bail durée là. Ça encore qui montrait situation pour qu'on résoudre et ça fait que immigrants ça sont sous menace constante pour y être expulsés.